J'utilise le spray et tu fais tomber le plafond. Ici, maintenant tire-le. Ok, même principe. Dépêche-toi. Ça va? Ouais. Allez. Allons-y. Je connais cet endroit comme ma poche. Allez! Par ici. Pourquoi est-ce qu'il tue tout le monde? Les terroristes, tu verras. C'était mes amis. Je me sens pas bien. Nous verrons ça. Mais on doit d'abord tout déverger. Par là. Vergil est piégé dans les limbes. Il est en danger. Hé, toi! Dante, t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Je te sors d'ici, frérot. Merci, Dante. Kat, tu es vivante. On peut sortir d'ici? Oui, je te montrerai le portail d'urgence. On y va? Non, pas tout de suite. Quoi? Il y a des Terraoctets, deux données sensibles qu'on ne peut pas laisser ici. Et alors, on s'en tape?
Tu plaisantes? Ils connaîtraient nos plans. S'ils s'emparent de ces données, tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Kat, oui. Enclenche l'autodestruction. Je ne peux pas le faire depuis les limbes. Oh, ils arrivent! Les démons seront bientôt là! On n'a pas de temps pour ça! Alors gagne du temps! Tu fais si énergé! Vas-y, Kat! Ce sera pas long, Kat, je t'aiderai. Il vous faut combien de temps? Pas longtemps, une ou deux minutes. Ça pourrait aider. Génial. Vous en êtes où, là? Encore deux minutes, Dante. Virgile, je peux occuper les démons aussi longtemps que tu veux, mais je peux pas protéger quatre des fédéraux. Grouille! J'ai compris. Deux minutes. Suppression des données achevée à 45%. Yeah.
Ne dis rien. 2 minutes. Tout est prêt. Laissez-moi une petite minute pour prendre tout ce que je peux sur les serveurs. Tu la mets en danger. Ça va au boulot. C'est important. Séquence de détonation automatique en cours d'armement. Ça se présente mal. De ils sont pratiquement là. Allons-y, Dante. Attends. Quoi? Et elle fait quoi, Kat? J'ai aucun moyen de m'échapper. On ne peut rien pour elle. Allons-y. On peut pas la laisser. Dante, on est dans les limbes. Elle est dans le monde réel. Cet endroit va bientôt partir en fumée. Il a raison. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour elle. Par devant, je te rejoins. Dante, donne-moi une seconde. Écoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Mets-toi à genoux. Mets les mains en l'air. Et surtout, reste immobile. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Essaie de tenir aussi longtemps que possible, d'accord? Je te promets que je reviendrai te chercher. Ne tirez pas!